Que les dieux du ciel vous bénissent très richement. Ivambi, Wanabudulu, Anubenishaku, Ibanjika. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette occasion. Et comme je vous l'avais dit, Anumunka Vumanokunuambila. Dieu m'avait recommandé de conduire l'église dans la prière durant ces deux semaines. Zambi uvumuntu minati dia kulombola ekeleziyo mumasangisha milombo mubula bwambingu ibidi. Alors la semaine passée nous étions ici le bingu lushadila tuvukunoku, et cette semaine encore nous serons toujours dans le même ordre d'idées. Ni lubingu lumolumwelo lutukadielu natuikala numulunga nyilwetu lwa lubingu lushana. Mais c'est demain que nous serons en jeûne. Dituko diamalaba kidituikala nanku mochijila. J'ai fait mon travail. Mema dinkwata wanyu mudimu. Vous faites le vôtre. Wewa wenza weba mudimu. Et lui aussi fera sa part. Yeye kulwende luseka na kumbasha budibumomekela. Nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole. Prenons Hébreux chapitre 11, les deux premiers versets. Nous allons sauter pour lire les versets 6. Nitutuhika mukubala kwetu wakabala venza mwisambombo. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Habi ditabuja ditishibo dia nchonchoncho dia bintu bitekemena. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ni dileje dia hatoka dia bintu birikabibi mweka. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bakulu bakahitabuja dikibwinenka. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu notre Père Céleste, Zambi, merci pour la lecture de ta parole. Nous sommes ici pas pour voir un homme qui connaît bien parler. Nous sommes ici c'est pour te parler et que toi tu nous parles. Ce peuple t'a loué Seigneur. Ce peuple t'a adoré avec ses dîmes et ses offrandes. Nous croyons Père que tu as béni cela. Ce peuple t'a présenté ses requêtes. Alors que nous sommes dans l'expectative, attendant te voir entrer en scène, nous te prions maintenant de nous parler Seigneur. Que ton onction oigne nos lèvres et nos oreilles Seigneur, et qu'elle nous transporte dans les lieux célestes. Écarte nous du chemin et viens parler à ton peuple. Nous le demandons avec foi au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir. Nous avons besoin de vos écrits sur parce que je vous avais dit que nous allons ouvrir une émission. Didijinga ni mikanda yenu mifunda. Bwalubwanga vumana kunwambile ni nitukangula ndongo mushima
La radio qui est plus écoutée ici à Mwenedit. L'intervention de dimanche, il y a eu beaucoup de réclamations. Il y a les frères et sœurs de différentes assemblées qui ont écouté ça, qui ont réclamé. Alors nous voulons faire une émission spéciale payée pour cette prédication de dimanche. Ça va commencer le lundi, Dieu voulant. Quand nous aurons vos écrits, nous verrons sur quelle radio mettre ça. Ok. C'est bon. Ah, ok. Tombani, mi fundu ni jingaba kuheta kunodi, nyanwenu kutu ambila ni, chisanji kai nanga nanga, chiribantu batamba kuheta mudi itue, mchituri mwaku wanga tandongo mwai, kwele koko. Ok. Ah, ok. Voilà. Nous sommes en train de parler sur la foi. Parce que Dieu a prononcé une parole que nous croyons une parole infaillible. Il a dit la même voix qui a dit à Jean, monte ici. La même voix qui a dit à Lazare de sortir de son tombeau, c'est la même voix qui nous dit ce soir de monter. C'est la même voix qui nous appellera pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est la même voix. Et si cette voix a eu des effets devant un homme qui était déjà mort et pourri, Frère Branham nous a dit à combien plus forte raison cette voix aura la force et la puissance sur des hommes qui sont encore vivants. Essayant de parler sur la foi. Parce que la Bible nous a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui termine les problèmes de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La campagne de Jikija. Il est celui qui a la solution à tous les problèmes de ses enfants. Et ce qui lui donne la force de le faire, c'est votre foi dans la statue d'un homme parfait. Au paragraphe 104, nous réalisons un peu ce que nous avions lu pour enchaîner avec l'idée de cette semaine. Mais premièrement, il doit y avoir la foi. Laissez-moi m'arrêter sur ce fondement un instant. Eh bien, la foi, c'est ce que vous devez croire. La foi est une ferme assurance où la substance
des choses que l'on espère. On n'espère pas un mythe. On espère quelque chose qui existe. Mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne touche pas. Mais le Créateur a déclaré. Si c'est le Créateur qui a déclaré la chose, vous n'avez pas besoin de toucher la chose. Vous n'avez pas besoin de voir la chose. Ce qu'il vous est demandé, c'est de croire d'abord que cette chose-là existe. Alléluia. Branham a dit, vous l'avez déjà lorsque vous avez la foi. Il y a certaines déclarations du prophète qui me rendent fou, moi, ici. Vous l'avez déjà lorsque vous avez la foi. Parce que c'est révélé dans la foi. Comme c'est Dieu qui vous a révélé que vous avez la chose. Cette révélation là influence votre vie. C'est ce qui fait que si vous avez la révélation, sur l'écriture qui dit par mes meurtres ici, vous avez été guéri, on ne vous verra pas en route vers l'hôpital, on ne vous verra pas en route sur la ligne de prière, parce que votre foi vous dit vous avez déjà votre guérison. La foi ne garde pas la chose dans la dimension invisible. Parce que là-bas, c'est dans le domaine de la révélation, le domaine des visions, où les choses ne sont pas vues dans les trois dimensions. Mais si ce que vous avez, c'est la foi réelle, cette foi-là est capable de prendre cette chose invisible là, et la tirer dans les trois dimensions. Comme vous avez cru dans une guérison, la foi n'a pas regardé l'état de votre corps. Voilà. Mais la foi, voyez ce que Dieu a dit, et cette foi là est capable de recréer des cellules dans votre corps pour que ce corps soit dans l'état où vous croyez qu'il doit être. Oh là là, vous l'avez déjà lorsque vous avez la foi, parce que c'est révélé dans la foi. Vous avez cette matière de la foi parfaite. Ce n'est pas à donner au bébé. C'est pour des hommes adultes qui ont rencontré Christ et qui peuvent comprendre le langage de Dieu. Les gens qui ont déjà quitté la compréhension des hommes, qui peuvent saisir la vision de Dieu facilement. Question réponse numéro 1. Paragraphe 97. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas, ne entend pas, mais pas
par la foi, quand il saisit la parole, celle-ci l'envoie dans une dimension. Vous voyez qu'il la rend tellement réelle pour lui. La foi se saisit de la parole, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. La vraie foi se saisit de la parole, ça rend un homme fou, à quel point qu'il commencera à faire certaines choses. Si vous les trouvez là en train de faire une chose, vous allez les traiter de tous les noms possibles. Mais c'est sa foi qui a saisi la parole et a rendu la parole réelle. Oh là là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Celle-ci l'envoie dans une dimension, voyez. Il la rend tellement réelle pour lui que c'est comme, c'est tout comme s'il avait déjà la chose dans sa main. Même son comportement, sa manière de faire les choses, même sa manière de parler, il ne dira pas comme s'il n'avait pas la chose. Mais là où il est là, il est convaincu que la chose lui appartient déjà. Il a cette chose là. Il n'a pas à s'inquiéter parce que sa foi l'a propulsé dans les dimensions. Il a saisi la parole, il a fait sortir la parole de la vision pour la rendre réelle dans les trois dimensions. Sœur Alpho, réveille la sœur qui est à tes côtés là. Elle a beaucoup cousu. Alpho, bien sûr que nous sommes là. Oh là là. Oh là là. Prenons pourquoi crier par. Quand on t'a dit, je n'ai pas ni. Watching que l'embile à Kula. 161. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. C'est-à-dire au temps présent, les incrédules qui sont autour de vous, ils ne voient que ce que vous êtes là. Ils se limitent là. Mais la foi, lui, elle, ne regarde pas au temps présent. Oh là là. Parce que l'humain est lié aux trois dimensions. L'humain est lié à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut voir de nos yeux, ce que nous pouvons entendre. C'est ce que l'humain croit parce qu'il a vu, parce que ceci, cela. Mais la foi n'agit pas comme ça. Regardez Abraham avec sa foi qu'il aurait un bébé. Il n'a pas regardé au temps présent. Abraham a commencé à acheter des couches. Si vous lui demandiez, mais des couches, c'est pour qui? Qui va porter ça? J'aurais un bébé. J'aurais un bébé. Dieu m'a donné un bébé. Où est-il? Je n'ai pas besoin de questions comme ça. La foi d'Abraham voyait déjà le bébé.
Alors qu'il avait déjà fait 25 ans sans enfant avec Sarah dans les mariages. Sarah était déjà ménopausée. Mais la foi d'Abraham a déchiré les circonstances présentes. La foi ne regarde pas le début d'une chose, mais la foi regarde la fin de la chose. La foi croit déjà la fin. Elle croit la fin des choses. Elle ne voit pas toutes les petites choses qui sont au milieu ici. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. Quand les ingrédients qui nous voient que ce qui est ici parlent, la foi ne s'inquiète pas de ce qu'ils disent là. Ou ce qu'ils font là. Peut-être ils sont en train de se moquer de la foi. La foi ne regarde pas ça. La foi se moque. La foi a pitié de ces gens-là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh là là. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut. Et agit en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut qu'il soit fait, et la foi opère au travers de cela. Ah, c'est ça le terrain de la foi. Ainsi dit le Seigneur. Oh là là. Je veux que ceci vous pénètre. Prenons comment la foi agit. C'est une prédication prêchée le 16 août 52. Paragraphe 50. Maintenant, le même Dieu qui est donc vivant, qui était vivant autrefois, il vit encore. Nous nous sommes dit que le même Dieu qui a fait sortir Lazare de son tombeau, comme c'est le même Dieu qui a dit cette année c'est l'année de la confirmation, c'est le même Dieu qui a dit c'est le moment pour toi d'être béni, c'est le même Dieu qui a dit c'est le moment pour toi de sortir de cette difficulté là, c'est le même Dieu qui a dit c'est le moment pour toi pour que ta situation change. Comme c'est le même Dieu, William Branham dit, nous devons lui faire confiance.
Quand c'est lui qui nous dit de faire une chose, parce qu'il fait la même chose, il fait la même chose. C'est sa même nature. Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Mes frères, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont surnaturelles. Si Dieu te promet quelque chose, Daniel le tabernacle. Si Dieu te promet une élévation, si Dieu te promet une promotion, si Dieu te promet une mise en place, ne cherche pas à savoir comment ça va arriver. Notre Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Est-ce que quelqu'un dit amen? Notre Dieu agit par des voies mystérieuses. S'il te donne une parcelle et que tu es sans sou, ce n'est pas le manque de sous qui va l'influencer. Quand Dieu fait une promesse, il n'y a rien au monde qui peut empêcher l'accomplissement de cette promesse. Si c'est Dieu qui te promet, je te dis ce soir, crois fermement cette promesse là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Gédéon, le Dieu de David sera ton Dieu. C'est vrai. On a parlé du Dieu de David, du Dieu de Gédéon, du Dieu de Samuel, de Daniel, de Moïse. Il faut qu'on parle de ton Dieu. Il faut qu'on parle de ton Dieu. Et profite par cette occasion, comme Dieu nous a parlé, par des visions, par des inspiration, par des prédications. Dieu nous a parlé et nous a prouvé que c'est lui qui a fait la promesse. Profitons de cette occasion, faisons entrer Dieu en scène. Jérélie, maintenant, le même Dieu qui est donc vivant, qui était vivant autrefois, il vit encore. Il ne faut pas qu'on parle seulement de l'histoire. Non. Dieu a fait. Il faut qu'il le fasse encore. Il faut qu'il agisse encore. Et pour que tu croies qu'il agit, il faut que ta situation là change. Que ta situation change. C'est sa même nature. Maintenant, le même Dieu qui est donc vivant,
qui était vivant autrefois, il vit encore. Il fait la même chose. S'il avait béni, il bénit encore. S'il avait donné des solutions, il donne encore des solutions. S'il avait élevé des gens, il continue à élever les gens. Est-ce que tu dis amen à ça? C'est sa même nature. Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Dieu a une voie mystérieuse pour toi. Cette situation a perduré. Cette situation-là a perduré. C'est comme si Dieu était mort. Non, c'était un temps de silence. Maintenant, hein, il faut qu'il sorte de l'histoire. Il faut qu'il agisse. Et il doit agir parce qu'il est le même Dieu. Il a sa nature de mère la même. Il est un Dieu qui travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Lui a des voies mystérieuses. Pourquoi tu cherches à comprendre comment tu auras la solution? Tu auras la maladie des nerfs. On dit Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Regardez Pierre. Ceci, toute cette pensée qu'on va beaucoup approfondir demain. Pierre a péché toute la nuit. Frère Branham dit, ne pensez pas que Pierre était un genre de pécheur qui pouvait travailler 2 heures et se fatiguer. Pierre était un pêcheur de carrière. Il n'avait pas étudié. Il a commencé dès le bas âge avec la pêche. Et il a grandi avec ça. Lisons un peu Luc chapitre 5. Tanto balai koko mukando Luca chapter 8. Ka Luc chapitre 5 à partir du premier verset. Mukando wa Luca chapter 8. Kubala kwetu kwambuile kumvetsu akumpala. Comment moi je dois demeurer toujours dans ces conditions? Bidimo kwenze ke bishi wa meme kala no musomba mu mushindo no umumwe wa malu. Toujours misérable. Hein? Ça doit changer. Ça doit changer. S'il Dieu reste le même Dieu, ça doit changer. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Donc déjà fatigués, ils avaient travaillé toute la nuit sans avoir de poissons. Ils nettoyaient déjà leur filet pour l'étaler au soleil et se laver pour monter à la maison. Il monta dans l'une de ses barques. Qui était à Simon. Jésus est monté dans ta barque. Peut-être tu as aidé quelqu'un dans une situation difficile. C'est une barque. Tu as aidé un fils de Dieu qui n'avait pas à manger, tu lui as donné à manger. L'église était dans les besoins. Tu avais sorti l'argent, tu as soutenu. C'est Jésus qui est entré dans ta barque. Comme il était entré dans la barque de Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, ah maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous sommes fatigués avec cette situation. On a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole je jetterai les filets. Cette situation a perduré. J'ai beaucoup gêné. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup pleuré. Et j'en ai assez. Mais à ta parole, comme tu l'as dit, comme tu me dis de monter, comme tu me dis de sortir de cette situation, je veux y sortir. À ta parole. Frère, on va nous expliquer ici. Sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient à cause de la charge de poissons. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. De venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ils n'avaient pas changé de filet. C'est vrai. Mousse. Les mêmes filets qu'ils ont utilisés toute la nuit sans rien prendre. La même eau dans laquelle ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur la parole du Seigneur, par une seule parole de Dieu, ils ont eu des barques pleines de poissons. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Tu es toujours la même
cette personne là que les gens ont raillé, c'est la même bouche là qui a toujours prié. La situation est toujours la même, mais cette fois-ci la parole du Seigneur a parlé. Tu dois sortir de cette situation là comme c'est la même parole. Elle aura les mêmes effets. Je t'ai dit, la situation là a beaucoup perdu. Elle doit changer. Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Il vient de le faire avec Pierre ici. Toute la nuit. Il a péché. Il a utilisé toutes les expériences. Toutes les stratégies possibles de la pêche. Il n'a rien eu jusqu'à l'aube. Comprenez que les poissons étaient toujours là. Dieu les avait envoyés loin parce qu'ils savaient que leur manque de poissons là était pour la gloire de Dieu. Mon frère, Branham vous dit, quand vous répondez à toutes les exigences de Dieu, vous trouvez que votre situation persiste toujours. Dieu reste au ciel un Dieu silencieux. C'est là que vous devez comprendre. Alors cette histoire est pour la gloire de Dieu. C'est là que vous devez être sûr que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Quand la situation devient compliquée, il regarde de gauche à droite, pas de solution. Au ciel, un Dieu silencieux. Tu te retrouves sans appui, sans ici de sortie, coincé de tous côtés. Que cela te donne la joie ce soir. Cette situation est devenue très difficile, hein? Parce qu'un miracle t'attend. Dieu travaille par des voies mystérieuses pour accomplir des prodiges. Pour que ça soit un prodige, il faut que ça atteigne les niveaux où l'homme ne peut rien faire pour vous. Car notre Dieu est spécialiste dans des choses qui sont impossibles aux hommes. Je prends la prédication sur ta parole, Seigneur, du 5 mars 48. Paragraphe 20 à 21. Eh bien, peut-être faut-il que vous soyez formés.
C'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous. Afin que Dieu soit obligé de vous instruire jusqu'à ce qu'il soit pour vous un rédempteur de ceux qui le cherchent diligemment. C'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. Comme il vous a donné cette foi capable de surmonter les épreuves, il laisse ces épreuves là vous atteindre, sachant que dans mon fils ou dans ma fille, il y a la foi. Ce qui gémit, c'est le corps. Amène la joie à ta balle. Amine la joie ou tabal. Mais la foi qui est là dedans, là, c'est ce que Dieu lui vise. Et quand la foi qui est en vous arrive au bout de ses forces, vous vous sentez déjà tenté de lâcher la foi. C'est à ce moment-là que quelque chose va arriver. Suivons le prophète, comment il commente ça. C'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. Pour vous amener au point où Dieu va faire quelque chose qui va être pour vous un Dieu qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi la maladie est tombée sur vous. Pour tester votre foi. Cette maladie n'est pas envoyée pour vous tuer. Ah là 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 là. C'est pour tester votre foi. Dieu est en train de vous former. Parce que cette foi que vous avez là vous permettra un jour de défier la pesanteur pour monter au ciel. Alors vous pouvez marcher ici à Phoenix ou à Douglas, peu importe la ville d'où vous venez, et dire je sais, personne ne peut me l'apprendre, je sais qu'il est un guérisseur. Vous aurez des leçons, vous serez maintenant prédicateur pour les autres. Tu diras, j'ai souffert l'épilepsie jusqu'à être un demi-fou. Mais c'est Dieu m'a guéri. Il est un guérisseur. Quand vous parlez là, vous n'avez pas que quelqu'un besoin que quelqu'un vienne vous enseigner sur la guérison divine. Parce que vous-même vous êtes la guérison divine, mais faites chair. Oh là là. Combien ici ont été guéris par guérison divine? Le savez-vous? C'est vrai, amen. C'est vrai. Vous êtes ses témoins. Oh là là. Eh bien, nous y sommes. Je veux que vous remarquiez cela. Alors il a dit, avance maintenant et jette le filet pour pêcher.
Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit. En d'autres termes, nous avons péché à la scène dans ces eaux. Nous y avons péché sans relâche. Et nous n'avons même pas attrapé un seul poisson. Voici la chose, ne la manquez pas. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Je sais que nous avons tout fait en tant qu'humain. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que la solution arrive à ce problème. Ce n'est pas arrivé. J'ai utilisé tous les voies et moyens. Je n'ai pas eu la solution. J'ai poussé le vélo. Pour être patron, je ne suis pas devenu patron. J'ai vendu au marché. Je n'ai pas eu l'argent. J'ai travaillé pour les gens. Finalement, le travail a pris fin. Je sais que nous avons tout fait en tant qu'humain. Malgré notre connaissance, notre capacité, que nous sommes à bout de nos forces, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Mais sur ta parole, Seigneur, ma situation doit changer. Eh bien, écoutez, vous avez probablement été chez les médecins. Vous avez subi une opération. Vous avez tout essayé. Vous êtes peut-être passé dans des lignes de prière auparavant. Mais sur ta parole, Seigneur, ce soir je veux jeter mon filet. Je veux ce soir jeter mon filet. Oh là là. Eh bien, vous direz, il n'y a pas de poissons là. Il y a péché partout là-bas, Pierre. Tu sais que tu as péché partout là toute la nuit. Et il n'y a pas de poissons là. Pourquoi tu veux recommencer encore le travail? Un vain travail comme ça. Si Dieu disait jette le filet, même si vous avez mangé comme celui qui l'a dit, il mettra du poisson là. Toi, tu as lutté pour payer ces dettes-là, tu as tout fait, tu n'as pas, tu n'as pas payé. Mais comme c'est Dieu qui t'a dit aujourd'hui, comme c'est Dieu qui t'a dit cette fois-ci, sors de ces conditions-là. Comme c'est lui qui a dit, il va créer. Ne cherchez pas à comprendre comment ça va venir. C'était le même filet. C'était la même eau qui n'avait rien toute la nuit. Mais le matin, on a récolté des barques pleines. C'est pour te dire, hein, toujours le petit travail que tu as là, tu vas réaliser ta vision. Toujours avec ta petite foi là, tu crois dans l'insigne le Seigneur, tu vas vivre un miracle.
Je le crois de tout mon cœur. Je sais qui a parlé. J'étais avec lui. Il m'a rassuré. Que c'est lui. Il m'a rassuré. Que c'est le moment. C'est le moment. Alors c'est le moment. Toutes les situations difficiles doivent disparaître de nos yeux. Et les saints diront Amen. Bantantuni bambani. Si Dieu disait jette le filet, il mettra du poisson là. Ne raisonnez pas. Zambie mwambani ela makondu mwaba. Nashu muvo kuyimulo bam. Kunanyi meja mumututo yena teka mishia mwaba. Et je crois ce soir que si les médecins déclarent que vous ne pouvez pas être guéri et que la parole de Dieu déclare que vous pouvez être guéri, Dieu peut mettre n'importe quoi. Il peut mettre de nouvelles cellules. Il peut mettre de nouveaux yeux. Il peut mettre de nouveaux tympans. Il peut mettre quoi que ce soit, il peut les mettre là. Quelle que soit votre condition, quelle que soit la chose que vous cherchez, si vous prenez Dieu au mot, vous vivrez un miracle. Moi je veux vivre un miracle. Même je veux être le premier à vivre ce miracle-là. Ah, je veux le vivre pour être un témoin. Toi aussi, si tu veux me dépasser, dépasse-moi. Ah, c'est la quantité de foi que vous allez engager qui vous permettra de faire sortir Dieu de l'histoire. Ne le croyez-vous pas? Amen. Amen. Nous préparons la réunion de prière de demain. Tudi mukachi mwadilongolola disanyishe dia milombu dia dituku dia malaba. Sur ta parole. Mukalenga no muwambi. Je peux dire aussi sur ta parole, Seigneur. Je suis fatigué, mais je vais organiser ces réunions de prière. Ndimo akwamba hanyine mukalenga arbumu wambi. Ndimo choko bushuwa kadi disanyishe dia milombu dia malaba ninkala makudi longolola. Sur ta parole. Mukalenga no muwambi. Sur ta parole, Seigneur. Je prends la prédication sur ta parole du 14 juillet 50. Paragraphe 30. Pierre a dit, Seigneur, nous avons durement travaillé toute la nuit sans rien attraper. On est découragé. Certainement que quand quelqu'un a des situations, il se sent découragé. La personne se fatigue et demande que Dieu l'ôte de la terre. Est fatigué à cause des situations. Pierre, ce jour-là, était dans le même état que toi. Pierre le dit quoi dit. C'était des pécheurs. Il ne devinait pas tout bonnement. Quand vous il connaissait la mer. La position que la ligne devrait avoir là.
Ovumanya bwani bumungadi ngondo musenda manung na ngumishiheri lusega kampa. Là où devrait être le poisson. Ovumanya lusega lvomishi chabwakala. Ils avaient grandi au bord de cette mer de Galilée. Bwalbwa yeye mukole na nokumaya mungalela. Ils avaient durement travaillé toute la nuit dans cette même eau. Bakwata mulimu abunyi butuku bushima no mumaya mwamwa. Et il n'avait rien attrapé. Kaba ibakwata na shikansensa. Mais il a dit, Seigneur, sur ta parole je jeterai le filet. Kariye kwamba ni mukalenga no bumuwambi ndinyele makondo mumayi. Voilà le secret. Vous avez peut-être péché à la scène dans chaque cabinet de médecins qu'il y a dans les pays. Vous êtes peut-être passé des lignes de prière Vous avez peut-être demandé à votre pasteur de prier. Vous avez peut-être demandé aux chrétiens consacrés de prier. Vous avez peut-être essayé tout ce que vous savez faire. Mais ce soir, dites sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet maintenant même. Comme c'est toi qui l'as dit, Seigneur, je vais monter. Je ne vais plus encore ces conditions. Je vais monter. Je n'ai pas besoin d'Eliezer. J'ai besoin de Isaac. J'ai besoin de ma consolation. Je n'ai pas besoin de petites solutions. J'ai besoin de ce que tu m'as donné. J'ai besoin d'être ce que je suis dans ta pensée. À ta parole, Seigneur, je veux être un chrétien mature. À ta parole, Seigneur, comme c'est toi qui l'as dit, non, je vais quitter de cette position. Je vais arrêter d'essayer n'importe quoi. Je veux simplement te croire maintenant même et te prendre au mot. Je veux jeter le filet. Ce ne sera pas long que vous tirerez jusqu'à ce que vous sentirez une petite secousse et le filet sera plein de poissons. Ce ne sera pas long. Comprenez que pour Pierre, c'était toute une nuit qu'il avait péché sans rien avoir. Et quand le Seigneur a parlé, c'était un petit temps seulement. Toutes les deux barques étaient pleines de poissons. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire. Ce ne sera pas long que vous tirerez jusqu'à ce que vous sentirez une petite secousse et le filet sera plein de poissons. Quels sont les poissons que toi tu vas tirer ce soir? Sur sa parole. La joie.
le salut, la guérison, les bénédictions de la part de Dieu, la joie. Tout ce qui combattait votre joie sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui combattait votre salut sera anéanti au nom de Jésus. Tout ce qui combattait votre guérison sera anéanti au nom de Jésus. Tout ce qui combattait vos bénédictions sera anéanti au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne les désirs de ton cœur. Shalom. Mets ton nom debout. Sur ta parole, Seigneur. Lazare. Lazalo. 4 jours dans la tombe. Matukwanai muma jambu. Déjà pourri. Uka vumu bola. Mais cette parole kadidiye qui te dit de sortir de cette situation fait que cet homme qui était déjà mort pourri sorte de la tombe. Jari kwanza bwani mutoka vumufwa. Mubola ni di bola. C'est cette même parole là qui t'a dit aussi sors de cette situation là. Tu dois sortir. Ta situation doit changer. On commence à t'importuner par des incirconcis. Oh, parce qu'il est patron. Oh, parce qu'il est ceci. Que ta situation change. Bagadi bakuna ila baku hotela kudi muntu audina ashika imutemu dibwa mumpanga noonaka bwalwa mpatro weba bwalwa rini chikampa na chikansanga luta tulweba luri chaba kushintuluka tiaye DJ waudi mulonga galanda. Tu n'as pas le travail pour lequel tu as fait les études. Kwana na cheni mudimu udi mulonga la galanda kuto. Tu as des diplômes. Mais tu es stagiaire jusqu'aujourd'hui. Ta situation doit changer. Demande les matricules. Lomba. Dis Seigneur à ta parole. Donne-moi les matricules. Dis-lui même les titres que tu veux avec ces matricules là. À ta parole, Seigneur. Voilà ce que moi je demande. Cette situation doit changer. Dirigé par les gens qui ont fait les mêmes études que moi. Non, Seigneur. Il faut que cette situation change. Je ne peux pas être conduit par les gens qui ont le même niveau d'études que moi. Non. Ça doit changer.